La rapane par là. Ouais, d'accord. Tiens, tiens ta route, gros. Rappelle-toi là. On part en mode 4x4 là. On vient juste pour visiter, pour acheter la villa, c'est compris? Ouais, mais attention, on n'est pas à l'abri de se faire fouiller, gros. J'ai l'artillerie là sur moi là. Je crois pas que ce soit un bon goal. Voiture garée. Tu vois bon, la 4x4 noire? on va Vas-y, juste prends une prendre photo, des prends une infos. photo. Vas-y, on va passer Ils par sont là, derrière. tu les vois ou pas? Je sais Y'a pas, des attends. gens? Oh, y'a plein de véhicules là. Vas-y, on va passer par derrière, d'accord? Ouais, prends des infos par derrière. Ouais, vas-y. Prends l'appareil photo. Hein. T'as un téléobjectif? Ah, Ah, regarde, tu vois la voiture là? laquelle, wesh? Derrière Dans là? la ville, dans la villa, non, dans la villa. Voiture noire, attends, je te rapproche. Oh, vas-y, approche-toi. Quitte à. Vas-y, prends son. Vas-y, je prends photo. Ok, c'est prêt, on va passer par derrière. Ok, fils de flûte, mais bon. Ouais, ok, d'accord, c'était une vraie fille, mais bon. Moi, je pensais que c'était un compte fake troll, il y en a pas mal et comme il y a Kelly qui a déjà ce pseudo-là, je pensais que c'était un gars qui voulait se foutre de la gueule de Kelly, quoi. Ok, tiens-toi prêt, Kadarok, hein? Non, mais le 18-25, c'est plus ce que c'était, Célestin. C'est que des mecs, bah tiens, qui s'appellent Célestin. T'en es un, toi? Tu fais partie d'eux ou pas? Non, T'as non, prêt? il y a eu un temps, c'était bien, en 2006, 2007, jusqu'à 2007, et après c'est devenu full pige, quoi. Ouais. Vas-y, avance, wesh. Bon, attends, faut que je trouve un ouverture. Je pense qu'il va falloir qu'on parle du fond vert, quoi. Ah merde. D'ailleurs, il y a ça aussi. Moi, je suis un pirate, moi. Ça a l'air bizarre ici, hein? Ouais, c'est calme, un peu trop beaucoup calme, frère. Ouais, prends des infos, genre, attends. On dit qu'on est là pour acheter des chevaux? Ouais, heureusement que je suis très porté par l'équitation, j'aime bien les faire. Attends 2 secondes, on va faire à cheval, t'aimes bien les faire à cheval? Ouais. Oula, à gauche, fais gaffe. Oula, y'a du monde dans la voiture, on se barre. On se barre. Oh putain, on va se faire cramer comme des cons, quoi. Prends des photos. C'est bon. Attends, de devant. Voiture qui arrive vers nous. On se barre. Bah avance, c'est bon, on a les informations, gros. Ok, on rentre, j'irai pas t'en rentre. Ok, on a rien. Attends qu'on aille développer la pellicule. Regarde le mec à gauche, la regarde le mec. Pellicula. Ouais, bon vas-y, on roule tranquille, hein. T'as vu comment c'est sympa ici, c'est charmant. Hein. Ouais, bah c'est pas grave, ouais. Bah c'est un terrain qu'il faut acheter, quoi. Ouais, On verra bien, il y a l'air d'avoir des beaux chevaux, quoi. Oh. Ah, j'aime bien ce coin-là. Ah, et pourquoi il roule sur la bande d'arrêt d'urgence, ce coin? Les gars, vous faites quoi là-bas? Bah quoi? Les gars, arrêtez-vous. Vas-y, roule, je sais pas ce qu'il veut, lui. Il déroule sur la bande d'arrêt d'urgence, vas-y, Ouais, roule. mais je vais pas rouler trop vite quand même. Eh, désolé, Les monsieur, il me fait reculer. Les gars, vous faites quoi là-bas? Vous savez pas où vous étiez, hein? On était où? Arrêtez-vous, arrêtez-vous, Non, arrêtez-vous, on arrêtez-vous. se balade, on a le droit de rouler, se balader. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Vas-y, va en ville, vas-y, dégage là. T'as une Ah, tarasse dégage! là. Va te faire enculer! Vas-y, vite. Vas-y, contourne-le, wesh. Je sais pas ce qu'il veut, lui. Et on va appeler la police. On va appeler la police. Y'a ses Il veut potes, y'a nous ses potes agresser ou derrière. quoi? Y'a ses potes derrière, on fait comment? Non, mais roule. Va en ville, Ok, va en ville. on rentre au Vite, QG. vite, vite, vite. Je tiens ma Dépêche-toi, route. wesh, dépêche-toi, putain! Elle va pas plus vite, cette voiture de merde. Va en ville, ils seront baisés. Putain, il en a tout niqué, quoi. On s'est fait spot. Putain, mais c'était tes conneries, je t'ai déjà dit de pas trop rapprocher, quoi. On s'est fait spot. C'est bon, t'es juste déjà agent à m'embellir. Il nous suit. Vas-y, mais passe, Oh, merde. va en ville. Essaye de les semer, je sais pas, fais quelque chose, quoi. Faut appeler absolument la police, là, des renforts. C'est bon, je crois qu'on Ils est sont dans son derrière axe. nous. Tente un truc, putain! Ok, accroche ta ceinture, t'es prêt? Je crois qu'on les a sommés, hein.
continue, continue à les semer, continue, continue, vas-y, vas-y, à droite, à droite, à droite, à droite. Tiens ton drift, tiens, ton drift là. Je l'ai tenu. Continue, ouais, je crois qu'on les a semés, vas-y, on continue en ville. Tu prendras la sortie, on rentre à la base, bon. Faut absolument qu'on parle au commandant. T'as des bonnes photos là en plus, hein. Ah, j'ai flippé les mecs. À droite, à droite, à droite, à droite. Attends, il y avait la voiture bleue. Non, 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 s'en bat les couilles, attends pas surtout. Ah, j'ai flippé, heureusement, ouais. On a bien joué, tu les as bien semés. Ah, oh, je suis le meilleur conducteur. Gros, ouais. Tiens ta route là. Vas-y, vite, 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 vite. Faut cacher le véhicule. Vas-y, rentre, 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 rentre. C'est bon, là, ils peuvent pas venir. Oh putain. Le problème, c'est qu'ils ont maintenant, ils ont mon visage là, non? Maintenant, le véhicule, le tenter. Mais non, ils ont mon visage quoi. Ce bâtard, il a vu, en plus, il a reconnu ma voix. Moi non, elle a rien. Elle a rien reconnu. Ouais, faut qu'on se mette en uniforme. Vas-y, 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 vite, 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 vite. Ok, ok. Déconner, je pense. Hein. Et y a pas de cadet là. Ah si, viens voir. Bonjour. Ah bonjour, officier. Y a un individu qui se trimballe avec une de vos voitures et qui se fait passer pour vous. Ah ouais. Quelle voiture? Ouais. Celle-là, comme la noire que vous avez devant là-bas. Là. En mode bac. Oui. Et attendez, on va venez avec moi, vous allez nous expliquer. Viens. Vas-y. Il est au niveau du garage, là, il s'est arrêté devant moi avec les chevaux et tout pour me contrôler. Et je crois que c'était un flic et en fait, il a fait une blague. Attends, il avait le même accoutrement que nous? Non, du tout. Et puis là, on vient de me voler mon véhicule juste devant vous, là. Mais vous êtes qui? Vous êtes de la maison? Non, du tout. C'est juste qu'il est venu me voir comme ça en s'amusant et tout. Oula, y'a des mecs armés, fais gaffe! Bah voilà, c'est ça, c'est eux. Oh putain! Oh putain, on rentre! Ferme la porte! Oh les policiers, baltringue! Allez, on le laisse! Ah, sortez, monsieur, sortez! Ah ouais? Ouais, sortez, ouais. Sortez! D'accord. Ouais, sortez vite là! Allez, vous pouvez rentrer dedans. On peut pas. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? J'en bats les couilles. Faudrait les faire rentrer, c'est des suspects. Vous êtes qui, monsieur? Vous êtes un qui, vous d'abac. Ah, d'accord, on pensait que c'était un gang. Oh putain, on a flippé sa race. Montrez-moi là, votre plaque là, vite. Elles sont juste sur notre cou là. Oh, d'accord, c'est bon, c'est dégueu. C'est la même maison, bah. Attends, je crois qu'on se fait enculer, hein. C'est pas des bandes de chinois. Voilà, donc ces messieurs-là, vous les interpellez pour... M'attends, hein. Délit de fuite, il me semble. Tentative de meurtre. Ouais, je m'en bats les couilles, on nous a donné des instructions, on va écouter. Alors venez. On va tirer là. Attends, c'est quoi ça? Faut lire leur droit. Ouais, les droits, ils ont pas été lus. Pour nous dire un petit peu ce qui se passe, là. Et moi, j'ai besoin d'un avocat, monsieur, je parlerai pas sans mon avocat. Pas de soucis, bah c'est déjà tout. Hey, dites-leur leur droit là, parce que j'ai que ça à foutre, hein, pas que ça à foutre. Allez-y, ça, monsieur, devant moi. Ah, monsieur le chef, sortez. Ouais, fermez. Putain, c'est quoi? C'est une garderie ou quoi? C'est un moulin ou quoi? Les gens ils rentrent comme ça normal. Bon, dites-nous ce qui s'est passé, pourquoi on les avait interpellés là. Alors, début de course-poursuite, on les a interpellés, véhicule endommagé, ils repartent et ils tentent de nous tuer, on nous tire dessus. Ils sont armés? Ils étaient. Enfin, ouais. Ils ont encore un pistolet sur eux. Mais j'ai le PPA. D'accord, très bien, on va les fouiller. J'ai le PPA. Je veux pas le savoir. D'accord, bah vous l'avez utilisé pour nous tuer, monsieur. J'ai pas tiré sur vous. Regardez, le chargeur est là. Alors, monsieur, on va lire vos droits. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra sera retenu contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit à un avocat. Si vous n'en avez pas, un avocat vous sera commis d'office. Vous avez le droit à boire et à manger. Amène ça à prison lors de votre interrogatoire. Est-ce que vous avez compris vos droits? Oui, mais pourquoi je me fais confisquer mon pain?
Parce que vous nous le avez pain, tiré dessus. Vous pourriez empoisonner vos collègues, donc j'en ai rien à foutre, je garde les pains. Alors attendez, lui aussi, on va le menotter, on va le fouiller tranquillement, gardez votre calme. J'ai mon pépère, moi, monsieur. Ouais, ouais, c'est ça, moi aussi je l'ai. Bah, moi je l'ai vraiment, monsieur. Vous pouvez regarder dans vos dossiers. Alors on va fouiller, effectivement, il y a bien un pistolet. Ah, d'accord, ok. Mais prenez mon eau. Parce que l'eau peut être empoisonnée. Parce que l'eau peut être empoisonnée. Vas-y, prends les pains, Kader, j'ai pris l'eau. Qu'est-ce que vous racontez? Bon, le PDA là, vous avez tentative d'homicide, ça peut être une arme qui peut être retenue pas... comme une preuve. J'en ai vous avez des armes illégales sur eux aussi. Allez, confisquez. Mais... Oh je veux pas le savoir. Arrête, c'est moi qui dirige ici. Je l'ai piqué, je l'ai pris 90 pains. Vous avez qu'à pas faire les cons, à utiliser vos armes pour tuer la police. Vous êtes sérieux là? Vous avez cru que c'était. Mon chargeur il est plein, j'ai pas tué, j'ai pas tiré. Eh, c'est pas le festival de Châteauroux ici, je vous le dis direct. J'ai pas d'armes, moi, j'ai pas d'armes. Mon chargeur de mon pistolet est plein, y'a pas une balle qui est sortie, vous me le prenez alors que j'ai fait passer mon paper comme un homme normal, ouais, je vous ai tiré ou quoi? Monsieur, vous étiez deux à nous tirer dessus. Mais c'était pas tiré, regarde mon chargeur, il est plein, y'a pas une balle qui est sortie. Ah oui, vous l'avez assermenté, c'est sa parole contre la tienne, donc je vais plus le croire lui que toi. Crois-le, vas-y, crois-le. Ouais, c'est ça, il va nous faire la même scène que Brandao, je l'ai pas touché, je l'ai pas touché. Kader, on a reçu un appel, on est bon? Ouais, on va devoir y aller. Bon, ouais, ouais, on va aller mettre en cellule. Ouais, ouais. Bah, tu sais, ouais, je parle de matricule pour que je mette sur le rapport. Moi, c'est matricule 23 et celui qui, mon collègue, c'est le 24. Donc, vous pouvez pas parler. De soucis. Okay. Officier Kader, ouais. Ok, pas de soucis. Kader. Et même avec le PPA, t'as pas le droit d'avoir une arme sur toi, c'est dans la voiture. C'est compris, Alors je me défends. Oh merde. Bon, bon là, je pense que... Ça c'est... Le coup d'énervement, là. Ah ouais, je sais bien, ça arrive des espaces. Oh, bon, la bavure, c'est quoi ça? Ah, c'est quoi ça? Y'a pas de bavure, t'as rien vu. J'ai dos à la personne, monsieur. J'ai dos à la personne, monsieur, vous avez rien vu. J'ai vu. Bon, vous vous chargez de ça, vous appelez un MS, ok? Pacos Latinos. J'avoue. Bonjour, collègue. Bonjour, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Bonjour, j'attends mon collègue. Quel collègue? Parlez de qui là? Il devrait arriver d'ici peu. C'est pour le show, vous voulez que vous le quoi? Il devrait se réveiller dans une de vos cellules. Portez plainte contre qui? En fait, je les ai pas bien vus, mais quand je suis arrivé en ville, donc j'étais au Pôle emploi, on s'est fait tabasser par trois mecs. Et il y en a un qui m'a remis. Tabassé par trois mecs, tiens, avec une dégaine pareille, une voix de victime comme la vôtre, c'est normal. Je pas dans les quartiers chauds. Bonjour monsieur. J'étais juste au Pôle emploi, moi. Ah, c'est pas un parc ici, il y a une salle d'attente, vous prenez un ticket, vous attendez. C'était lui là en blanc. Restez sur le parvis s'il vous plaît, c'était du commissariat là. Restez sur le parvis. Je pense que j'ai pété un câble, j'ai fait une bavure. Waouh, ça sort les armes et tout, vous savez, on veut se porter plainte. On veut se porter plainte, ça nous sort les armes, c'est quoi ce bordel? Putain, pourquoi ça marche pas? White Power. Bah, Patrick, ah bah t'es voilà, disponible pour une affaire. Comment les traite ces mecs là? Viens, toi là. Mais c'est quoi ton problème? Messieurs, je suis sur une affaire là qui est quand même un peu grosse, j'ai besoin d'une petite équipe. C'est pour quelle affaire? Il y a une affaire de cocaïne et beaucoup d'argent sale. J'ai attrapé un individu qui est en salle d'interrogatoire. Je lui ai laissé un petit temps pour réfléchir, il est prêt à discuter. Hein, ok, donne des informations. Faire ça à l'ancienne, je vais sortir ma matraque s'il veut pas parler, on va va faire une petite théon. Non, il est... Là, je lui ai laissé le temps, donc il est peut-être prêt à négocier des petits noms, des petits endroits. Genre en train de réanimer ce moment là, putain. Oh là. Et donc là, j'ai besoin des meilleurs. Regardez, c'est ça la police, voilà la bavure. Kader, on va faire ça à l'ancienne, non? Oh, bavure. Comment ça, bavure? Ils ont fait quoi? Ils t'ont tabassé, mon pote. Bavure, voilà la bavure. J'ai filmé, monsieur, voilà, j'ai monsieur, filmé. Monsieur, vous m'avez tabassé. Eh, vous allez voir mon snap, ajoutez-moi. C'est connerie. Bonjour, monsieur. Eh ben, allez dans la cellule, monsieur. C'est où, le vrai? Oui, bonjour. Attendez, on va dans la salle au fond, comme ça on sera pas dérangé, venez. Enfin, un instant, 23, venez. J'espère qu'il va bien, mon ami. Bon, monsieur, on vous a laissé le temps de réfléchir, donc vous êtes prêt à parler ou alors... Je suis désolé, mais j'ai pas envie de donner les positions, s'il vous plaît. Vous savez que vous êtes dans quoi, là? Je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes dans quoi, là? Oui. Donc, si soit vous parlez, pour un jour espérer voir le soleil, soit... Là, je vais en perpète, là.
Bah, clairement, monsieur, avec une telle somme et autant de kilos de cocaïne sur vous, je pense pas que vous allez jouer. Vous allez pas revoir la lumière du soleil de sitôt, je vous le dis direct. Hein. Exactement. Donc, ce qui va se passer, c'est que toi et tes copains, là, tu vas nous donner des informations. Parce que je suppose que t'es pas tout seul dans le coup, non? On est d'accord. Ouais, mais sous ce ton-là, j'ai pas trop envie, tu vois. Comment ça? C'est ma voix qui te revient pas? Non, c'est ton inter... Ta... Comment on dit ça? Ton autorité qui me plaît pas. Ah, on doit vous brosser dans le donc, sens d'accord, du poil, donc je suis flic, un flic sans autorité, c'est quelque chose ou quoi? Ça mais rien. Je suis avec... Attendez, je suis avec vous, vous voulez que je fasse quoi, là? Vous voulez que je m'enfuis? Y'a aucune raison que je m'enfuis. Non, on veut que vous parlez. Moi, je veux juste vous parler. Oui, mais comme vous parlez, c'est très bien, mais comme il parle lui, c'est pas bien. Écoute, tu veux que je te parle comme ça, ça va? Oui, alors, c'est mieux. Petit, alors, mon petit, tu vas devoir parler, hein? Écoute, oui, maman. Je suis en train de susurrer. Non. Va falloir que tu parles si tu veux sauver ta peau, je te le dis direct. Ouais, mais c'est mon trafic. Ouais, je parle savoir, trafic ou pas, je me bats les couilles. T'as fait quelque chose de grave. Tu vois, je vais te mettre une petite phalange dans ton petit anus. Si tu continues, tu vas me sentir. T'as rien contre les petites douleurs anales. Dis-moi. Ta gueule. Quoi? Monsieur, il me dit quoi? Il me dit, vous avez pas des vous êtes pas contre des... Allez, ferme ta gueule. Je parle pas comme ça. Oh, désolé, j'ai agi sous l'énervement, mais bon. Écarte-toi d'Arca, je vais finir ça. Voilà, on va se calmer, on a une pépite d'or là, on va pas. Ouais, faut pas tout. Envoyer aux soins intensifs comme ça. Désolé, j'ai réagi sous le l'énervement, il m'a mal parlé. Calmez-vous, respirez, prenez un bon cours. On a une pépite d'or quand même. Ouais, on peut soutirer pas mal d'informations, effectivement. Pour l'instant, les informations que j'ai, il m'a dit quoi? Il y a un certain cartel des Familiz qui détient le business de la cocaïne. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Tout ce qu'il m'a dit. Putain. Officier 24, vous avez ressenti un pouls? Il y a du pouls ou pas? Je crois que là, c'est tendu. Hein. Faut vite appeler en ambulance. Oh putain. Je vais me dépêcher demain, il y avait une petite médicale. Ouais, Darkin, écoute-moi, entre nous deux. Ouais. On fait le topo. Il y a un mec qui s'enfuit de sa cellule et qui a tabassé le mec, c'est compris? On rentre dans la salle et on voit qu'il est par terre. T'as rien fait? Tu parles de lui là? Ouais. Ouais, mais lui, non, il faut le traiter autrement parce qu'il faut absolument avoir ses informations. Oh, mais si les hommes se demandent si quelqu'un fait ça, on dit que c'est pas toi, ok? Ouais, de toute façon, tu me couvres, hein. Normal, ouais, ouais. On travaille d'équipe. On dit que c'est un mec en cellule, il a réussi à s'échapper, la tape. Ouais, on dira ça, collègue, ouais. Vas-y, on fait ça. Bon, en attendant, vas-y, viens voir ce qui se passe dans les cellules. Ouais, ça va, tout se passe bien? Bah, nique ta race alors! Ouais, nique ta mère. Ouais, écoute-moi bien, petit fils de pute, tu veux te faire un théon? Elle me montre dans le cul, c'est ça? Et commence à nous respecter si tu veux partir plus tôt, je te le dis direct. Vas-y, reste contre le mur. Si tu savais ce qu'on a fait derrière le mur. Au niveau des cellules. Il y a des fluides corporels sur le mur là où t'es adossé, ça me bouffon, va. Ta gueule, je suis pas collé. Ouais, dès que vous êtes là, vous me faites un petit message et je viendrai vous ouvrir les portes. Le, elle va prendre cher. Non, mais tranquille, il va payer, mais... T'as fait quoi pour arriver à être là? C'est toi qui t'amuses à tirer sur la police? Ah, t'as le seul parce que t'as pris ton arme, sale bouffon, va, hein? Ouais, je crois que c'est lui, en plus il a retiré son permis de port d'armes. Ton permis de port d'armes, on va le déchirer, gros. T'es de la merde, et moins que de la merde. Évite de faire le fou, je te dis. Grosse merde. Bon, lui, il va pas se plaindre, lui, tranquille, ça va, tout se passe bien? Ça va, et vous? Oh non, mais c'est votre ami là, je sais pas ce qu'il est, il est énervé. Laissez-le, c'est bon, ça ira. Ok. Ah, vous êtes jumeaux, les gars? Il pouvait faire une petite remise de peine, mais bon. Vous êtes jumeaux? Non. Non, on n'a pas jumeaux, pourquoi? Je sais pas, vous ressemblez. J'ai envie. Tu veux que je te dise, j'ai envie de te pisser dessus. Vous avez les yeux bridés, monsieur? Non, il est pas bridé, il est. C'est un cœur blanc. Vas-y, je le dirai. De quoi? À qui? Tu veux dire à qui? Non, mais genre le mec à gauche là, attends, genre j'ai bouffé, on fait quoi? Le temps. Oh, j'ai bien fait de prendre du pain. Tu sais que moi je l'ai volé 90 pains, 90 euros, mec. Mono ou quoi, monsieur, j'ai faim. Non, elle peut être empoisonnée. Mais c'est vous qui me l'a donné, comment elle va être empoisonnée? Non. Elle est à nous, j'ai faim, hein, je vais mourir. C'est faux.
Monsieur, je vous jure. Ah, j'ai faim. Il veut quoi? Il veut qu'on lui donne du pain? Ah, du pain et de l'eau, s'il vous plaît, j'ai coopéré. 24, donnez-lui du pain et de l'eau. S'il vous plaît, monsieur. Ouais, c'est ça pour un mec. Déjà, et vous pouvez être content que vous avez pas, on vous a pas, on a pas porté plainte et un chef d'accusation concernant l'attentat à la pudeur. Là. Les tétons à l'air, c'est interdit normalement. Ah bah, c'est votre collègue, il me l'a arraché. Monsieur de là-bas qui m'a pris mon shirt. Je peux rien y faire, ça, monsieur. Ouais. Attends, bon, écarte-toi, okay. Kader, je vais le donner. T'as fait quoi là? T'as fait quoi là? Écoute-moi bien là, fils de schlag là. Ah, tu me cherches, tu provoques. Bon, on va aller faire un truc. Je m'en charge, Kader. Écoute-moi, retire ton pantalon. Retire le tout de suite. Non, vous avez pas le droit, monsieur. Retire ton pantalon, je t'ai dit. Non, monsieur. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Faites pas ça là. Alors, je vais mettre de la lumière dans ton petit anneau. Non. Ouais, tranquille, calme-toi. Arrêtez là. Retire ton pantalon, CD. Voilà, tentative. Non. Et toi? Je vais pas pédé. C'est de retire ton pantalon. Non. À 10 secondes, je rigole pas. 10. Non. Fais attention, 9, il fait des stats plus, bâtard. 8. Il va balancer. 7. Au secours. Laisse-le, c'est bon, tranquille. 3. Tranquille. 2, 24, un. prenez sur vous, 24. Vas-y, je prends sur moi, vas-y, viens, on part, Kader. Messieurs les officiers, monsieur. C'est bon, il a pas tarif, c'est bon, tranquille, il va se relever. Qu'est-ce que c'est que ça pour une histoire? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, cet homme, hein. Il a commencé à faire outrage à agent, il crache dessus. Il me dit, ouais, on te nique ta mère, le policier, viens me taper. Nique ta grand-mère, je te pisse la police. Ça, je veux pas savoir. Monsieur, c'est faux. Bon, ouais. Par rapport à monsieur, l'hôpital est en saturation. Donc, monsieur, c'est arrivé. Ce qu'on va faire, c'est que je pense que vous pouvez aller. Monsieur, ils m'ont frappé. Le temps qu'il y ait une unité médicale qui arrive. On part en patrouille là. Monsieur, ils m'ont frappé. Messieurs les officiers, vous pouvez me c'est vous qui avez arrêté les individus ici? Non, c'est là-bas. Ils m'ont frappé. On peut pas les laisser, on peut pas laisser sortir. On m'a dit à 45, moi. Moi aussi, on m'a dit à 45. Un petit non, tour. C'est faux. Vous avez resté un petit peu ici. Hein monsieur, il y a pas qui va venir vous libérer. Il n'y aura pas de remise de peine, ça. Commence pas à saouler, toi. Il voulait. Oh, excusez-moi, monsieur l'officier. C'est quoi ça? Monsieur l'officier, moi j'ai coopéré, s'il vous plaît. Non, c'est là-bas qui va venir te libérer, c'est pas nous. Bon, écoute-moi, là-bas qui m'a dit que vous pouvez me libérer à 45, les gars. Mais je vous ai rien dit, moi. Les gars, wesh, tranquille. Ils m'ont dit à 45. C'est pas nous qui nous avons enfermés, donc faut voir avec les autres. Vous pouvez pas les appeler ou me donner. Vas-y, je les appelle. Moi, si je décide de vous rester un peu plus, vous allez rester un peu plus ici. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles, je m'en bats leur numéro. Putain, il a cru qu'on allait faire le sale boulot. Qu'il reste là, c'est tout. Ah, Kader, tu vas les patrouiller en tant que policier ou en tant que bacan? Non, police, la façon là, il faut qu'on se. Ah, vas-y, va. Comment ça, il est. Vas-y, go. Il est sympa. Ouais, mais même s'il est sympa, les mecs. On aurait pu lui laisser une chance. Achète un véhicule, Ré. J'ai nos thunes. Comment ça? J'ai tout de. Attends. J'ai rien là, j'ai 0-0. Ah bah merde, attends, viens, il nous faut un véhicule. Non, vas-y, prends un véhicule normal. Ah ouais, mais merde. Bah non, bah faut aller en bas que du coup. Il n'y a aucun véhicule. Oh, attends, au pire, viens. Il va être libéré, les gars, par le. Vas-y, viens, on monte dans cette voiture, Ré. On va aller chercher des sous à la banque. Il va libérer. Prends la thune et on va le libérer, vas-y. Comme ça, ils vont nous sucer après. Tiens, vas-y, prends un dollar. Vas-y, Rara, prends la thune. J'arrive. T'es qui toi? Ah ouais, d'accord, j'ai. Coquin. J'ai 67 000. Je retire combien? Juste 10 dollars. Hein? 10 dollars, c'est tout. 10 dollars? Sérieux? Ouais, c'est tout ce qu'ils font.
T'as combien sur ton compte en banque? 67 000. Ah ouais. Moi j'ai 300 000. Vas-y, va prendre la voiture, moi je vais aller voir les autres. Faut pas prendre la voiture, c'est à toi. Ah putain, merci. Merci à Eshadow, lâchez le sub, un petit tier 1, merci beaucoup Shadow TV, j'ai eu ton message, et merci à Kaja210, merci à Nessou. C'est où qu'on baille? Appuyez pour accéder au véhicule. Non, tu vas acheter un véhicule, rire. Magasin véhicule, ça? Ouais, c'est un... C'est l'achat. Oui. Et après tu fais un... Ouvre le garage. Ouais. Ouvre le véhicule. Ouvre le garage. Le véhicule est sorti. Et la sortie où? Ok, vas-y. On est bon? Non, attends, je vais libérer. T'es gentil. Ça change pas de ton salaire, il est... Bah j'avoue. Le mec qui embrouille. Ah bah ils ont été libérés d'Arcan. L'autre aussi. Ah ouais. Et l'autre là qui est mort. Ah merde, il est... Poule en barquette. Vas-y viens, hein, je t'attends. Non non mais attends, il faut relever l'autre là, il est... Non mais on peut pas, il a dit, on peut pas. Il faut attendre. Pas un maston. Bon, qu'est-ce que ça me bat les couilles de lui? Il était là au mauvais endroit au mauvais moment. Voilà. Skin. Merci Camized. Vas-y, passe au moment. Hein. Bonjour monsieur. Passe au moment de retard, là, les portes parfait. Sur le côté. Est-ce qu'on aura un blessé à l'intérieur du commissariat? Oui, tout à fait, venez monsieur. Ouvrez-moi les portes, arrêtez de dormir s'il vous plaît. C'est où? Oula, on va se calmer monsieur. Attendez, on va se calmer, venez. Monsieur, on est stressé, toute la journée on est payé 25 de l'heure. Vous voulez un café? Oui s'il vous plaît, passez-moi un café. Voilà, on va me parler autrement. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous, on est gentil avec vous, on va préparer votre café. Je m'excuse monsieur, j'ai une dure journée aujourd'hui. Et moi alors monsieur, je suis avec mon collègue depuis le matin tout seul, pensez que c'est pas... Non, travail aussi hein. Ah oui. Pas de soucis monsieur, passez-moi un café s'il vous plaît. Pourquoi? Apparemment il y a une intervention à faire au commissariat en bas. Ah ouais, on a appelé, ouais, effectivement, ouais. Vous avez Qu'est-ce qui s'est passé? Merci bien, monsieur. S'il vous plaît. Non, monsieur, je suis ambulancier, je l'amène à l'hôpital. D'accord, très bien, mais venez récupérer la personne, là. Il est encore... Vous en faites vous pas. Vous voulez que j'aille voir, vous voulez que j'en occupe? On lui a appelé les premiers soins, on l'a mis en position latérale de sécurité. Pas de soucis, je demande pas ce qui s'est passé, bien sûr. Non, ne posez pas de questions. Ça marche, vous lui avez donné un peu de morphine, quelque chose? On l'a simplement mis en PLS. Ça marche très bien. Un peu d'eau, hydratation. Ouais, j'avais une petite lingette. Je l'ai mis ça sur le visage. J'ai fait parfait. Pas de pression. Parfait, parfait. Faites rare hein, en ville. Hein. On a besoin de vous hein, souvent. Ouais, je sais, on est en sous-effectif, monsieur. On a un peu de mal. Oh putain, ça sent pas bon ici. Hein. Attendez, vous pouvez refaire ce. Ouais, ça sent pas très bon. Ouais, enfin c'est un... que je reconnais ça. C'est... Ouais, moi aussi je reconnais monsieur, quand on prend ça, quand on prend beaucoup de Vicodine. D'accord. Pour les patients. Ouais, il était là, ah mais, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais monsieur, qu'est-ce qui s'est passé monsieur, vous l'avez embarqué le corps ou comment ça se passe? Non, Oula. L'officier, on est d'accord qu'il était bien ici. On est d'accord qu'il était bien ici. Bah écoutez, moi monsieur je vois rien là, je vois une chaise qui est bougée en travers, mais sinon je vois rien d'autre hein. Bon, peut-être que la femme de ménage est passée entre temps, il l'a récupéré. Ouais, bah écoutez, je vais pas poser plus de questions, monsieur. Moi j'ai une alerte à deux blocs d'ici. Faut que j'y aille. Bon, grand merci, désolé pour la part de temps, mais moi vous avez gagné un petit café. Merci, monsieur. Bon courage pour aujourd'hui, merci pour le café et je m'excuse encore. Hein. Ça, il joue bien le bâtard. Ah merde. C'est mauvais. Ouais, c'est vrai que je reconnais ce. C'est pas un. Il joue. Il joue avec Ajon, Rere Marwan. Ouais? Ouais, je vois après moi. Mais non, mais ils sont en mode sérieux, ils sont à fond. Ouais. Je pensais qu'il était là pour. Attends, dans le véhicule devant. Les portes du commissariat. Ouais, c'est bon. Merci, merci monsieur. Derrière, monsieur. J'aurais besoin d'un périmètre de sécurité sur le grand carrefour afin de m'occuper d'un. Ouais, c'est ça, t'inquiète, un citoyen. Ouais. On arrive, on y va. Oh putain, encore des fans de Jules qui traînent, putain. On va patrouiller, hein. Regarde, c'est des coups directs, ce gars.
Bah, le mec, il a essayé de nous carquer, il a raté la direct de camp. Ouais, je pense que... Je sais pas. Vas-y, on avance. On va aller voir dans le nord, hein, là sois où il y a l'air. Sois en alerte, sois en alerte. Regarde un peu partout. Sois aware, s'il te plaît. Aware. D'accord, d'accord. On n'est pas à l'abri de voir une personne, une victime se faire inquiéter, là. Dans les quartiers chauds. Je prends à prendre un appel. On dirait qu'un de ces quatre qu'on aille se détendre à l'unicorn, hein. Ça te dirait bien, un de ces quatre, un petit... voir les petites go-go danseuses pour se détendre. Ils sont bizarres, les mecs d'avant. Ouais, c'est calme. Mais bon, pour l'instant... Les RAS, ils ont l'air de respecter le code de la route pour l'instant. Ça va ? Oui, ça va. Bonjour, monsieur l'agent. Tout va bien. Ouais, ouais, tout se passe bien, ouais. Allez bien. Une journée ensoleillée, quoi. Ah, on ouais, est bien. Une belle journée, hein. Ouais, ça Corona, il a pas encore touché le confinement, c'est non. Sûr. Ouais, exactement. On est là, au revoir, monsieur. On est là pour protéger et servir, hein. Faites appel à nous, c'est un souci. Pas de problème, monsieur. D'ailleurs, je dois porter plainte pour ma voiture volée, en plus. Passe à la... Ok, d'accord, on va voir dans le nord, d'accord. Ouais, pas trop trop loin. Hein. Est-ce que tu vois des choses, toi, de côté? Est-ce que t'as ton GPS magique? Ah, mais j'ai le GPS de la voiture, ouais. D'accord, très bien. En fait, donc... par contre, là-bas, c'est là où il y en avait tout à l'heure, les méchants. Non, mais non, je vais... c'est juste la même route, en fait. Un endroit là, il y a full populace. J'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être des rassemblements. Oh ouais, j'ai peut-être ça sur le. Je regarde dans le GPS de la voiture. Ouais, j'ai peut-être ça, ouais. D'accord, très bien. Pas besoin de mettre les gyros, discrétion. Excuse-moi, j'ai pas fait exprès, Darkin. Ouais, mais je sais pas, il va. Là, j'ai pas envie qu'il dérape, quoi. Après, il a une bonne vision, les gars. Alors, c'est pour ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est le radar de la police. Et en temps réel, vous avez à peu près. Vous savez ah ouais, mais où se situent les personnes. Mets-toi la première personne, hein. C'est le GPS. Regarde, j'ai un petit PC dans le véhicule. Merde, je suis devant. Ouais, je vois le PC, ouais. C'est sur ce PC-là, en fait. Ah, ok, ok. Il est fourni par le commandant, directement. Ok, Gribouille, c'est bon, vous avez compris? En gros, ouais, il voit avant tout le monde et en fait, c'est une de ses qualités. Il a été sentinelle à l'armée avant de terminer dans la police. Moi là. Oh! Qu'est-ce que tu fais? Tiens ta route là! Tu vas niquer la voiture avant qu'on intervienne. Ah ouais, c'est ce travail quoi. Attends, je zone là. Oh, si je prends pas le tremplin, je suis une salope. Pion! Oh merde! Ah! Ah bah je vois, c'est bon. Tiens ta route là. Je l'ai tenu. Alors ils sont où là? Bah ils sont... Comment dire, partis. Mais le PC de la SPD, hein. Ouais mais... C'est bon, le PC m'a mis sur une autre transe. Allez vite, du rythme. N'empêche il a fait une figure sans faire exprès. Ah, très bien. Attends, je m'agarre. Parce que voilà, trop bizarre, moi. Je... Ah ouais. Hey, y'a les flics. Bonjour. 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 Ouais, bonjour. On vient pour un petit custom. Travaille ici? Non, pas custom sur une voiture de flic. J'attends, moi aussi. Ouais, c'est pour installer un pare-buffle. Bâtard. Gros, attends. De toute façon, dans tous les cas, on va devoir reculer. Il va venir. Non, donc, des enfants, là, des enfants. Moi, qu'est-ce que vous faites là, monsieur, là, s'il vous plaît? Évitez de frôler le véhicule de votre collègue là.
Bon, moi, vu que j'ai de la coque sur moi, je vais bouger. Non, je rigole. Pardon? Je rigole, c'était une. Excusez-nous, monsieur. Oh, le troller. Oh, gros, toi, à droite, tu fais quoi? Tu fais une répa ou une custom? Rupteur. Rupteur? Gros, moi, je fais une répa, s'il te plaît, tu me laisses passer. 30 secondes, même pas. Monsieur, il est interdit de mettre des masques en ville, là. Vous devez avoir le visage découvert. Tout simple prévention. Ah, ok. J'arriverai après. D'accord, très bien. Merci. Bon, pour l'instant, il reste dans ce quartier. En cas, vas-y, on bouge de bloc. Chaud, je me laisse passer, gros. Moi, ça prend 30 secondes, même pas, quoi. C'est une réparation, c'est tout. Moi. Tu m'as dit quoi, frérot? Bon, t'es chaud, je me laisse passer, gros. C'est 5, c'est 10 secondes, moi, c'est une réparation, c'est tout. Vas-y. On passe plus tard pour Barbuffle, j'ai l'impression qu'ils sont occupés. Ouais, y'a beaucoup de monde. Ouais, y'a de la queue, là. C'est chiant. Toujours pas arrivé le commandant, ce serait bien qu'on fasse l'entretien là, avec la mafia là, ce serait ouf. Sinon on va sur notre serf, y'a personne, hein. Kader, tu entends prêt, pas avoir de gros bouge. Tu vas dans des endroits, mais... Mais dis pas que c'est un point de drogue là où t'es. C'est un point de drogue? Viens, Kader. Oh putain... Il est pas sérieux. Tu me mets dans les emmerdes là. Ouais, on va où là? J'ai reçu des. Comme quoi il y avait des coups de feu ici. C'est calme. Bonjour monsieur. Monsieur, arrêtez-vous s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur. Monsieur, ok, autorisation de Krelepna, autorisation. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Putain! Attends, je vais voir ce qu'ils sont en train de faire là. Il y a un autre véhicule. Il y a encore des mecs à l'intérieur. Non, y'a personne. Viens, on va les suivre. Viens avec moi, vite. À toutes les unités radio. Voiture bleue en flûte, là, sur 32e avenue. Ok, j'ai... Kader. Terminé. Kader, ouais. J'ai tracé leur véhicule, ok? Oh putain, j'aurais bien voulu mettre un coup de portière, mais pas à ce niveau-là, quoi. Oh putain... T'en fais pas, j'ai tracé leur véhicule. Ils vont pas nous échapper un deuxième point. T'as réussi à mettre en... T'as envoyé un... Y'a un mouchard à l'intérieur du véhicule? Bien joué, c'est ça, très malin. C'est la bonne personne, ouais. Rappelle-toi, parce que ces personnes-là avaient l'air... comment dire, ressemblent un peu aux mecs d'avant, hein. Ouais, à la ville. Si ça se trouve, ils sont... Ouais, si ça se trouve, ils sont... Il y aura plus d'eux, ils seront en supériorité numérique. Donc on peut l'avoir dans le zen, là. Donc attention. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe là? Tasse-les. Mais wesh! J'ai rien fait, je suis pas avec eux. Je vous jure, j'ai rien fait. Bouge pas. Je bouge pas, j'ai rien fait. Bougez pas, levez les mains en l'air. Je vous dis là. Ouais, tranquille, les mecs, hein. Sors-moi la tête, Kader. J'ai pas de main. Moi, rien du tout. Bon, vous allez m'expliquer ce qui se passe ici là. Monsieur, je vous jure, j'ai rien fait. Je me baladais. Ferme ta gueule. Laisse-moi expliquer. Un par un. Alors, en gros, moi j'arrivais, je poursuivais des potes à moi. Et lui il est arrivé, on a eu peur, on l'a braqué direct parce qu'on a cru qu'on allait se faire braquer. Ah, donc, voilà. Vous braquez des mecs comme ça parce que vous avez juste peur qu'ils vous braquent. Non, on se faisait poursuivre. Mon pote se faisait poursuivre. Par qui? Lui là? Attends, je n'arrive pas à voir là. Attends, non, fouille, voir s'ils ont des armes. Je vais les fouiller. Tu parles là depuis tout à l'heure. Mais t'as pas le droit de nous fouiller. Tais-toi. T'as pas le droit. On a tous les droits. Vous avez des armes là. Vous êtes en train de braquer une personne là. Mais non, moi je braquais pas, c'est lui qui braquait. Braquez, ferme-la. Mais non, je braquais pas moi. Ferme ta gueule, je te dis. Je peux pas bouger. Retire-moi ces cacahuètes de ton nez, fils de pute, tu m'entends? Comment ça, mes cacahuètes de mon nez? Espèce de raciste. Ouais, la courtoisie, 24. D'accord, excuse-moi. Espèce de raciste, moi. Comment ça, espèce de raciste? C'est lui qui va être cacahuète de ton nez. Je sais pas d'où on vient, donc commence pas. Monsieur les policiers. Ouais. J'ai rien fait, je vous jure. Mais toi, on s'en bat les couilles, on croyait que tu voulais nous niquer, enculé. Mais moi, je me baladais et vous étiez là, vous avez commencé à me pointer avec vos pistolets. C'est toi qui t'es fait racketter, c'est ça? Oui, ils sont venus, ils ont commencé à me pointer avec leurs pistolets. T'as rien pris, trou du cul. Mais oui, mais vous avez pointé avec votre pistolet là. Ferme ta gueule, poursuivre, on a eu peur. Comment ça se fait que t'as pas de bras toi là? Déjà, moi j'ai pas de bras, je sais pas pourquoi j'ai lancé mon truc, j'ai plus eu de bras et... Monsieur, mais j'ai un cancer, putain! Ok, bon, c'est un handicapé, c'est un handicapé, mais Kader, viens voir. Ça n'excuse rien. Kader, cette personne a un micro SMG et un pistolet, elle a pas de bras. Mais c'est pas moi, mais si j'ai le permis de bras d'armes. Non, tu n'as pas le permis de bras d'armes. Est-ce que tu l'as?
Oui, je l'ai. Manger vite fait du pain, je vais t'as le code de la route et le permis de conduire, c'est tout ce que tu as bouffé. Non, je l'ai. Mais si, j'ai le permis de parler. Il l'a ou pas? Il l'a ou pas? Je l'ai acheté à 100 000. Je peux manger un peu de pain, je vais caler. Il ment pas, il l'a pas. Non, il l'a pas, viens fouiller, il l'a pas. Licence, permis de conduire, code de la route. Ferme ta grande gueule, tu l'as pas. Bon, mon collègue, le mec à côté de moi, vous l'avez pas, votre permis. Donc, mais t'es raciste. Je vais te confisquer ta micro SMG. Si tu veux vraiment collaborer avec nous et notre en adéquation avec notre raisonnement, t'as intérêt à dire la vérité, donc, ok. Je confisque ton micro SMG, ton pistolet, ta lampe torche. Mais comment ça, ma lampe torche? T'as pas le droit. Ferme ta gueule. Kingstar. Ouais, t'as pas le droit de confisquer la lampe torche là-bas, c'est à moi. C'est qui a dit Kingstar? C'est qui a dit Kingstar là? Non, c'est l'autre. Comment ça, tu confisques ma batte, frère? Toi aussi, on va te fouiller. Monsieur, moi, je confisque vos armes, c'est pas... Voilà, vous êtes à deux contre un, vous avez pas le droit d'interpeller une personne comme ça et de la menacer. Mais c'est lui. On l'est pas menacé, monsieur, on l'a pas menacé. On a eu peur, directement. Vous avez peur d'un manchot? Kader, on les emmène en... J'ai pas peur d'un manchot, j'ai peur de trois voitures noires qui nous poursuivent, monsieur. Escorte-le. C'est quoi la touche pour escorter? On s'est fait poursuivre par des voitures, donc nous, quand on s'est garé dans la petite ruelle, j'ai eu peur de cet enculé, c'est tout. Mais ils m'ont pointé, monsieur, j'ai rien fait. Est-ce que je peux m'en aller, s'il vous plaît? Oui, vas-y, voilà, toi, barre-toi alors. Je peux prendre la moto au passage? Non, c'est pas toi. Au revoir, monsieur. Vas-y, mets-le dans le véhicule, Kader. Non, tu vas pas boire maintenant. Mais je vais mourir! Je m'en fous, tu bois pas maintenant. Tu l'as fouillé ou pas? Tu l'as fouillé juste avant ou pas? Oui, je l'ai fouillé. Mets dans le véhicule là, putain, ça marche pas. Allez, laisse-moi faire Kader. Mais putain! Mais c'est normal, on peut en mettre qu'un! Putain! Mais laissez-moi partir, les man, moi j'ai rien fait! Mais pourquoi vous m'embarquez en fait là? Demande-lui d'enlever son masque avant. Mais je peux pas, je peux même pas manger! Attends, enlève-lui les menottes, il va enlever son masque gentiment! Tu peux pas mettre deux dans le véhicule! Lève ton masque! Ouais, attends, deux spies, je mange, c'est plus important. Laisse-le manger vite fait. En cas, tu vas monter dans le véhicule tranquillement, sans les menottes, d'accord? Hop, la petite burger. Monte dans le véhicule. Ouais, deux secondes. Hop, j'enlève mon masque. Petit burger. Et voilà. Voilà, très bien. Bah, c'est très bien quand ça... Allez, monte. Collabore. C'est très bien. Alors, monte, je t'ai dit. Monte dans le véhicule et on y va, là. Toi, le mec en blanc, tu vas presque rien prendre. Par contre, le mec derrière toi, ton acolyte... Mais j'ai fait quoi? Micro SMG sans permis de port d'armes. Pistolet sans permis de port d'armes. Ferme ta grosse gueule, fils de pute! Comment tu sens permis? Par contre, t'insultes pas, parce que moi, si je t'insulte, tu vas vraiment rigoler, d'accord? Ouais, ferme ta gueule, si tu veux, tu me fais peur, le Watson. Calme le jeu, ferme ta gueule, ferme ta gueule, 24, je sais pas comment. Écoute-moi, je vais te mettre dans une gueule, je vais te pisser dessus, tu m'entends, sale fils de pute? Par contre, ne répondez pas comme ça de cette manière! Ferme ta gueule, je calme mon collègue! Hé, collègue! Maintenant, on se calme là, tranquille! Et calmez-vous derrière là! Eh ouais, il a dit de se calmer, 24, voilà. Toi, le petit radégo, tu fermes ta gueule. Qu'est-ce qui t'arrive, 24? Je t'ai dit, prendre un café avant de venir, quoi, pour ça te calmer. Il a ses règles, il a ses règles. Il va partir en égo. DMG, pars pas en égo, s'il te plaît. Tranquille, on va simplement, voilà, le travail de routine. On va les questionner, et puis voilà, ça va se régler tranquillement. Mais arrête de t'énerver. Ils sont prêts à nous aider, donc voilà. Ils vont être bien dociles. Escorte-le, le mec en blanc, Kader. Ouais, venez avec moi, tranquille. Tu vois, quand on leur parle gentiment, ils nous suivent direct, tu vois. C'est comme ça qu'il faut faire. T'as pas besoin de les menotter. Toi, je t'ai bien avec le mec en blanc. Ouais, normal. J'ai plus d'expérience que lui, c'est vrai. Mais lâche-moi. C'est bon, il va nous écouter. De toute façon, il partira pas sous son pote, là, ils sont ensemble. Wesh, mais il force, lui. Mais toi, ferme la porte, pitié. Oh putain, je veux tuer. Zon. Avance. Commence pas 24 là. On va les interroger avant? Non, je pense qu'il y a juste le défaut de port d'armes et on n'a pas les circonstances, on sait pas ce qui s'est passé réellement. Et j'étais en train de braquer comme quelqu'un? Non, ouais, moi, les circonstances, le flagrant délit, on peut pas leur mettre là-dessus là, on peut rien faire. D'accord. On va simplement les mettre en cellule. Mets les amendes de ton côté. Venez avec moi, vous allez rentrer dans cette cellule, monsieur. Je vous suis. Ah, lâche-moi, s'il te plaît. Bon, je vais vous dire à vos droits, mais j'ai un peu la flemme, je peux les éviter ou... Bon, tranquille, je le connais. Ah, merci, gros, tranquille, ça, j'ai la flemme. Alors, toi, tu vas prendre... Attends, mais démonote-moi. Attends, deux secondes, j'arrive. Démonote-moi. Tu peux te taire le temps que je mette les amendes, s'il te plaît? Démonote-moi. Non, je vais pas te démonoter. Oh, putain, je vais l'encore. Bon, 24, dis-lui ses droits, là. Ouais, attends, je mets ses amendes. Mais je m'en bats les couilles des droits des amendes, bah, je veux que tu me démonotes.
putain. Démenote-le, 24, je t'ai déjà dit. Attends, je peux pas lui mettre les amendes s'il est pas menotté. Pourquoi t'as fait une affaire personnelle? Il te revient pas ou quoi? Mais je mets des amendes. Mettez, enlevez votre masque, j'ai envie de savoir, parce qu'est-ce qu'il a détecté en vous? Vous êtes jaune? Ah, bah, je peux pas. Je peux pas l'enlever. Je peux pas. Putain de merde. Sinon, tout se passe bien pour vous? Vous avez besoin de boire? Vous êtes droit à un appel aussi. Moi, ça va. Tu payeras tes amendes. Mais libère-moi, espèce de trop de balle, je peux pas. Ouais, enlève, bah, voilà. Tenez votre langage, s'il vous plaît. Voilà. Putain. Sortez, 24, sortez. T'as 2 minutes pour payer tes amendes. 24, laissez-le manger, je m'en charge. Vous en faites trop une affaire personnelle, calmez-vous. Ah, je vais le frapper, lui. Tu vas me frapper, moi? Ouais, je vais le frapper. Non, ne fais rien. 24, sortez de là. Ton masque. 24, sors de là. Voilà, laisse-le. Apprends à te calmer, on l'interrogera après, ok? Mais vas-y, interroge-moi avec l'avocat. Paye tes amendes d'abord. Oh putain, je peux le tuer. Bon, pars, Kadar. Y'a quelqu'un qui t'appelle en haut. Non, commandant, non, en haut. Non, t'as pas le droit de faire ça, qu'est-ce que je t'ai dit? Commence pas maintenant, ok? T'as été trop loin, 24, so far away. Vas-y, je vais voir le commandant, j'arrive moi. Ouais, c'est ça, ouais. T'as entendu, so far away, putain de merde. Ah, machin. Ouais. Interroge-moi s'il te plaît, incroyable, j'ai envie de sortir. Ouais, dites-moi un petit peu ce qui s'est passé là sur place. Pourquoi vous en êtes pris à ce monsieur? Mais c'est pas moi, attends. Non, mais je suis là, monsieur. Ouais, vous l'avez coursé, etc. Je suis au milieu. Ouais, je suis là. En gros, non, c'est lui. En fait, j'étais en train de courir tranquillement et tout, en train de faire mon footing. Et tout d'un coup, il y a un monsieur, il est arrivé, il m'a cagoulé, il m'a mis un masque sur la tête. Attends, tu te vois ma gueule là, négro? Comment ça qu'il t'a cagoulé? Il était manchot, il avait pas de main. Non, mais l'autre. Ah, vous parlez de ma gueule, négro, là, t'es en train de me balancer ton pote là, négro? Mais je comprends plus rien, mais c'est votre pote, vous étiez ensemble. Oh, mais putain, mais oui, il dit que des conneries, cet enculé là, il veut juste que je prenne tout à sa presse. Non. C'est vraiment un enculé, putain, sors de là, je vais l'enculer. Bon, ça va être très simple, monsieur en or, vous restez là, je libère votre pote. Quoi? Et voilà, et quand tu sors, je te mets une claquette dans la nuque. Non, vous avez rien à faire, vous pouvez sortir, vous, c'est bon. Bah, quoi? C'est gentil, monsieur le commissaire. Mais. Vous avez. Attendez, vous avez le droit de lui cracher à la gueule si vous voulez. Ouais, voilà. Allez-y. Fils de. Voilà, c'est bon, je vais te retrouver, tu seras mort. Moi, tu vas voir, toi. Moi, tu verras avec le gang, t'inquiète. Mais non, mais ta gueule, putain, je vous connais pendant que tu l'es de merde. C'est bon. Faut l'emmener en haut, faut que tu le fasses emmener en haut. Maintenant, on va régler ce problème avec lui parce que visiblement, il a voulu me berner. Mais non, j'ai pas voulu te berner, je le connais pas. Putain. Je te jure, au nom de tout ce que tu veux, je le connais pas, c'est pas mon. On t'a demandé deux trucs. Retire ce putain de masque. Ouais, le masque. Bah, je le retirerai quand ton collègue me parlera bien. Voilà, gentiment. Bon, toto. Comment ça, bon, toto? C'est bon, on a son visage. Baisse ta mère. Calme-toi, 24, c'est bon. N'en fais pas une affaire personnelle, tranquille. Tu vas faire une bavure policière, c'est ça? Une bavure policière? Non, pas de bavure. C'est bon, je vais reprendre. Ouais, je connais bien, je vais porter plainte. Ouais, effectivement, ouais. Bavure. Il va avoir de la merde au bout de ma matraque, petit fils de pute, tu m'entends? Petite chienne, ouvre ta bouche, aboie. Aboie, je t'ai dit. Kader, fais-le sortir, sinon je l'encule. C'est bon? Pars, bon, Kader. Enlève, on va régler ça main à main. Enlève tes armes, prends pas tes armes. Point à point. Main à main? Tu fais trop le malin, ouais. T'as un carton? Sors de la cellule. Allez. Et c'est enfui à cause de toi. Mais non, je me suis pas enfui, voilà, t'es bloqué. Allez, battez-vous, allez. Attends, on se met plus loin. Fils de pute, maintenant ouvre la bouche, petite chienne. Non, le fais pas ta spéciale, lui pisse pas dessus, s'il te plaît. Écarte-toi, Kader, je l'ai fini. Par là-dessus, la troisième corde. Pas un homme à terre, pas un homme à terre, putain, le code d'honneur des flics, là. Pas vers policière. Baisse ta mère. Mais... Grand-mère la chienne, excuse-moi, Kader. C'est bon, t'as gagné, c'est bon, voilà. Allez, va te calmer maintenant, c'est bon, t'as eu ce que tu voulais. Ouais, maintenant, écarte-toi maintenant, je dois le réanimer, là. Non, ça va, vous allez bien? Ouais, je vais vous remettre dans votre cellule. Ouais, je vais le bouter. C'est le lieutenant. Ah, bonjour, lieutenant. Vous allez bien? Ouais, bon, là, il y a une personne derrière, bon. Monsieur. Il sort son arme blanche en ville, micro SMG. Ah, allez-y, rentrez. Allô?
Il s'enfuit. Je rigole, c'est un prank. C'est un prank, c'est un prank. Attends, j'ai failli le buter quoi. Kader, fais attention, Kader. C'est bon. C'est un prank. Bah oui. Aïe. Ma verre pour les frères. Prochaine fois, je vous l'enfonce où il faut. Voilà, lieutenant, c'est ce que je veux voir. C'est le croupier ici, il a payé ses amendes? Non, il a pas payé justement. C'est 3 minutes que j'attends. Putain. Vous avez saisi les armes? J'ai tout saisi, j'ai tout mis en haut. Parfait, parfait. Ouais, j'ai récupéré une arme aussi, attends, je vais les déposer. Mais non, là, cette personne n'a pas voulu. J'ai pas d'argent, je peux pas payer. Là, vous allez mourir ici, hein? Mais comment ça, je vais mourir là? Bon, monsieur. À tout de suite, vous allez avoir qu'est-ce qui se passe ici? Bon, des petits guignols, ouais, officier, là. Officier des champions. Encore des guignols. Donc on va vérifier ça. Lieutenant, sautez, vous avez un chewing-gum. Donnez votre carte d'identité, pièce d'identité, tralali tralala. Vous connaissez la chanson. Voyez-vous, monsieur Chauve. Coopérez, s'il vous plaît. Pièce d'identité, papier du véhicule, assurance. On va vérifier tout ça. Hein. Elle est pas à moi la voiture. Très bien, votre permis de conduire, monsieur. C'est quoi ça? Ah ouais, j'ai oublié dans la voiture. Bon, on va patrouiller bien. C'est une blague? Peut-être ma gueule là. Non, Kader, le véhicule qui appartient à M. Antonio. On a fait une bonne saisie là. Ouais, bonne saisie, ouais. Bah ouais. C'est quoi comme arme? Micro SMG, pistolet. Viens, Kader. T'as bien? La voiture, on l'a volé. Kader. Je sais pas comment prendre une arme, à chaque fois c'est trop sensible à la souris, la monnette. Kader. Ouais. Ouais, t'as vu alors le PC la LSPD marche bien, hein? J'avoue, j'en bosse pas mal. Il faut un skin de pigeon. Toi Alain. Ouais. Le camion, tu me l'enlèves d'ici? D'accord. Ouais, écoutez-moi, monsieur, là, s'il vous plaît, là. Qu'est-ce qu'on fait ce travail, là? Même votre camion, il est en panne ou quoi? Bah ouais. On en appelle, Kader, on en appelle. On a un appel, on a une urgence, je vais de la chance. Non, je vais enlever le camion. Vite. Garde le menu ouvert. Aïe! Je prends quoi, le pistolet paralysant direct? Ouais, je sais, Danzatano. C'est pas évident avec DMG, vous avez vu comment c'est dur? Avec cette petite pu là. Écoute DMG, hein. Le médecin, ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il y a eux ici? Attention, il y a quelqu'un par terre, il s'est fait renverser, monsieur. Et le monsieur a pris la fuite, c'est pour ça qu'on vous a appelé. Attendez, ouais, on va le voir. Monsieur. On va établir un périmètre de sécurité. Monsieur avec le masque là, c'est qui là? Enlevez-moi ça. Tu te rappelles pas? Enlevez-moi ce masque, s'il vous plaît. C'est celui-là que t'as mis un coup de matraque. Il est con, quoi. Il a la gueule à mocho ou quoi? Ouais. Kader, monte. Oh là, il a deux au sol. Putain, c'est quoi ce bordel? Vas-y, on se barre, c'est un mauvais coup, là, Kader. C'est quoi ces mecs, quoi? J'ai envie de rentrer en égo, les gars. J'ai envie de péter tout le monde. Je suis en train de prendre sur moi, là. En cas, je me... Dans le PC, boop. C'est bon, j'ai trouvé quelqu'un. Il a passé le trans. Putain, c'est tellement dur d'être policier, j'ai envie de calme. Oh là là, je sais pas quoi faire là. DMG, on fait quoi là? Et on arrête des mecs qui sont armés, et on leur... comme ça ils vont faire pour rien, ces fils de pute, et on les nique. Mais on veut pas niquer tout le monde comme ça, gros. Bah si, ils sont armés, ils ont pas à être armés. Wesh, ouais, faut que ce soit legit, faut que ce soit legit. Tu vois les cons? Ouais, mais c'est pas un hélico, c'est un... Non, celui-là, c'est un PNJ. Chut. Quoi? T'inquiète. Viens, viens, vite. Il a pas envie, là, non? Sors-moi. On appelle les renforts, putain, dégage! Dégage, putain! On se casse!
dans tous les cas. Mais sérieux, tu m'abandonnes? Mais t'es où? T'es où? Moi, je suis derrière. Dépêche-toi, cours, vite. Mais sérieux, t'as peur ou quoi? Mais cours, gros, ouais, ils sont en gang. T'es sérieux là? Ah ouais, mais t'as peur en fait. Bah non, c'est pas que j'ai. Mais normal, j'ai peur. Ah ouais, t'as peur, ok, j'avoue. Mais gros, on est que deux. Ils sont 40 000 avec des armes. Mais on appelle les effectifs. Ah ouais, je vois un verre. On prend de la hauteur, on prend des infos. On peut pas rester comme ça. Ouais, attends, t'as dit on va appeler des renforts et tu vas, je sais pas où. Attends, faut savoir où ils sont s'ils ne suivent pas. Putain, gros, arrête de. Tu niques la méta là. J'ai rien fait. Mais genre, l'hélico, comme c'est. À la base, c'est un hélico PNJ, comment tu savais? Je te vois dans les airs. Ah, excuse-moi si t'as pas deux yeux, Réan. Hein. C'est vrai que tu te fais violent. PNJ. Bah ouais, je suis allé voir si c'était un PNJ. Je suis allé vérifier. Et c'est toi qui. C'est toi là, c'est toi qui as fait de la merde. T'es pas allé voir, t'as perdu tes couilles. Mais non, c'est pas une question de couilles, gros, c'est une question de jouer réaliste. Putain. Bah non, on devait juste aller demander pourquoi il. Tu sais, c'est pas où la prochaine intervention. Hein. Obligé de tirer, on peut la demander. Mais on n'aime pas rentrer dans des quartiers comme ça, là. On peut pas rentrer comme ça, on est. C'est on est que deux, mec. C'est pas un quartier. Sur ce les gars dans le chat, on est d'accord, c'est un quartier, si c'est un quartier. Non, gros. Pas sur ce serveur. Il fallait apprendre un peu prendre un plus ton RP, rien. Mais tu vas expliquer le RP, quoi. Mais si, c'est un quartier, merci Mbappé. Mbappé, il a 10 ans d'expérience sur le RP, gros. Tu vas pas contredire Mbappé. D'accord, qu'il a chuché en gauche, lui. C'est pas un quartier ici. Bon, on va au Caméco. Attends deux secondes, je retourne. Je vais rôder un peu là. Bon, ouais, Mbappé le prend pas perso. Des fois, il est un peu con. Hein. Qu'est-ce que ça fout là, cette voiture? Ok, il y a du délit. Oula. Ça roule un peu vite là, non? Bah, tiens, ta conduite. Vas-y, je prends le temps. Lui, il va vite. Attends, je vais demander d'arrêter. Sommation avant. Joue RP. Joue RP de putain là. Arrêtez-vous, mettez-vous sur le bas côté. Monsieur, s'il vous plaît. Hop, oh, attendez. Monsieur, oh, s'il vous plaît. Ouais, je me mets sur le côté. C'est un peu vérification de routine, le problème, monsieur, là. À l'instant, là. Sur la 52e, vous étiez à combien? Ah, désolé, monsieur, j'ai pas vu. C'est mon nouveau. Vous avez le pied lourd, apparemment, hein, sur le champignon, non? En fait, j'ai une nouvelle voiture et. Ouais, je vais pas le savoir, là. Ouais, je suis désolé, monsieur. C'est un délit, monsieur, vous savez? Ouais, je suis désolé. Ouais. J'aurais pu vous attaquer pour refus d'obtempérer. Heureusement, vous êtes arrêté à temps, hein. Oui, bah oui. 24, juste, je me demandais ce qui procédez à une vérification des papiers, s'il vous plaît. D'accord. Permis de conduire, attestation d'assurance, tout le tralala, là. Carte grise, tout. Ok, je vous montre ça, tenez ma carte d'identité. Vous avez de la chance qu'on n'a pas mis en place le système de radar, hein. Sinon. Attendez, je vais regarder la licence pour cette personne. C'était... Le permis pouvait sauter, hein, je vous le dis. Hein. Ouais, alors, désolé, monsieur. Monsieur? Ouais. Excusez-moi, je vous demandais ça comme ça. Oui. Mais les armes que vous trimballez sur vous, là. Comment ça, les armes que j'ai? Ou c'est peut-être mon collègue, attends, car toi, Kadar? Non, c'est moi qui suis armé là. Pourquoi il a quelque chose? Elle a un pistolet sur lui. Ah, bah il s'est fait ban. C'est quoi ça? Fouille sans autorisation. Il s'est fait ban? Ah, bah. Ah, je crois que je me suis fait kick. Fouille pas, mais pourquoi tu l'as fouillé, j'avoue? Bah, tu m'as dit, vérifie s'il a le permis de port d'armes. Non, mais vérifie, tu lui poses des questions. Il va te donner les papiers. C'est pas ce call. Ouais, mon collègue, je sais pas ce qui s'est passé là, il s'est volatilisé. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, pas de. J'accepte pas le fouillage là, et genre. Non, y'a pas de problème, c'est un simple travail de routine, monsieur, mais la prochaine ouais, fois. Ouais, il m'a fouillé, j'ai. Moi... Non, Damien, bouge, c'est bon. La okay. Prochaine fois, monsieur, hein, la vitesse est trop vide, hein. Ouais, désolé, monsieur. C'est la première fois que vous me voyez. Au revoir, monsieur, bonne journée. Y'a pas de problème, bonne journée à vous. Bonne journée. Il échappe à une amende celui-là. Non mais là il a fait nimp, on est d'accord. Là t'as fait nimp, DMG, t'es où? Bah c'est toi, tu me dis regarde les licences, pourquoi tu le fais pas toi si faut mais que non poser des questions? Mais c'est parce que t'es mon binôme gros, tu t'as travaillé, tu bosses pour moi. T'es mon assistant. Bien sûr.
Là, par contre, les admins qui pop comme ça. Il y a des cheats, ce gars. Non, non, je cheat pas, Mbappé. J'attends les problèmes. Non, le problème, c'est que. Mais gros, dans la vraie vie, tu fous pas le mec. Tu lui demandes ses papiers, il te les file. Bah, il me les a filés, c'est comme ça que j'ai regardé. Non, non, t'as fouillé. Arrête de mytho, arrête de mytho. Il arrête d'être ouais. Mauvaise foi. Regarde-moi cette pub. Et en plus, il rigole en plus. C'est vrai qu'il a fait de la merde. Ça tire où, les gars? Attends. Regarde, là, il y a encore un mec qui roule à. Putain. Attends, tu reviens me chercher ou pas? Je suis là au GTA. Viens dans le parking central, là. J'ai un mec qui roule super vite, là. Attends, mais les mecs ils se sont passés le mot quoi! Ouais, ouais, mais il faut lui apprendre. Bah, c'est pas grave, de toute façon il apprendra, les gars. Wow, c'est quoi ce bordel? Mais... Viens au commissariat. Ouais, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, bonjour. Moi, j'ai été appelé en renfort, là, mais c'est bon, apparemment, c'est bon. D'accord, très bien. En renfort, il y a eu un souci, c'est ça? What do you want? Combien ça? Non, il y a juste une petite réanimation à faire. Il y a un petit problème, là, mais apparemment, hello, c'est bon. Hello, Mr. Policeman. Mr. Punjabi, do you want to explain your issue to the policeman right here? C'est quoi, c'est yes, maybe I can explain ouais, to him. Bonjour, messieurs. Alors, ouais, qu'est-ce qui se passe, là? Encore une évasion? Bonjour, monsieur l'officier. Bon, là, on non, a no problem. I've got kidnapped by nasty people dressed in yellow. Ouais, je me suis fait agresser par des méchants gens en jaune. Ouais, vous avez des bases en anglais, vous pouvez lui dire ce qu'il... Attendez, dites-lui que... Ouais, est-ce qu'il a fait vérifier sa carte de séjour, déjà? Have you verified your immigration papers to the IRS? I will do that later, I'm a bit preoccupied right now, because I nearly got raped and killed by the people in yellow. Je ferai ça plus tard. Ouais, qu'est-ce qu'il dit là? Vas-y, répétez. Je ferai ça plus tard, car j'ai failli me faire violer et kidnapper par une équipe de gens en jaune. D'accord, ceci n'est pas la priorité. Ouais, parce non mais ils sont sérieux quoi là. Dites-lui que moi là-bas je pensais qu'il était là pour ouvrir un espèce de bruit pour pouvoir me vendre de la bouffe quoi. Parce que je sais qu'il est indien et il fait ça bien quoi. Mr. Punjabi, c'est here raciste, the officer monsieur, thought you were raciste. About to open a cart food of dosa. Yes, I'm gonna open an Indian takeaway with a butter chicken tikka masala and everything like that. Cheese naan maybe, lassi mango and stuff like mais that, mix pakora. Bien sûr monsieur l'agent, j'étais prêt à ouvrir mon food truck. Non, Indian takeaway. Indian takeaway, bien sûr. Yes, it's a shop. Ah, d'accord, ok. Ah, il va faire cheese naan et tout là, la bouffe là, indienne. C'est yeah, bon, cheese naan, kema naan, everything. Ouais, bah ça pour les pauses à midi, on pourra commencer à manger. Ouais. Et voilà, ça en est où pour son business? Il a réuni les fonds parce que le problème c'est qu'il va falloir une permission, hein. Un petit permis. I don't have any money right now, but the people are trying to kill me everywhere, so it's a bit difficult right now. Ouais, on tire pas très du. Les gens essayent de me tuer, c'est compliqué. Bon, j'aurais besoin d'aide, les gars, là. Les médecins, la police. What the fuck is his voice? Oui, c'est moi, monsieur. C'est professeur Raoult. Comme very vous savez nice bien, il y a le Covid-19 qui est arrivé dans la ville il n'y a pas très longtemps. Et donc, il faudrait un petit peu arrêter un petit peu les gens dans la rue et leur signaler qu'il y a le Covid-19 et qu'il faudrait qu'ils portent des masques. Donc, j'aurais besoin de l'autorisation de la police. Ouais, effectivement, ouais. C'est quoi? C'est un nouveau virus, là? C'est en train de se propager, là? Ouais, ce nouveau virus, il est arrivé en mars, ce dernier, là, de Tunisie. Gloire à monsieur Raoult. Bonjour, monsieur. Et donc, là, j'ai proposé de mettre un peu de chloroquine au gouvernement, mais apparemment, ils veulent pas connaître, donc bon, qu'ils aient bien sûr. Ouais, mais les premiers tests, vous allez faire des tests, c'est ça? Au commissariat, vous voulez qu'on mette une cellule ouais. En place? Ouais, voilà, c'est ça, ouais. D'accord, bon, on va commencer par l'immigré, là. Venez. Venez, monsieur. Monsieur, le traducteur, il est où là? Le traducteur. Ouais, traducteur. Je suis là, monsieur. Ouais, j'ai demandé son prénom là, c'est comment il s'appelle et tout. What is your name, Mr. Apu? Gautam Khan Punjabi Vindaloo Maharajan. Can you spell it? Could you please spell it for the officer? Gautam. G-O-U-T-H-A-M. G-O-T-H-A-M. Khan. K-A-H-N. Il peut nous répondre, pour nous infecter. On va procéder. Oui. Dites-lui qu'on va procéder à une première vérification vu que c'est un des premiers migrants qu'on croise dans cette ville là. Ouais, écartez-vous vite, tout de suite. Je pense qu'il a le corps là. This is nothing. This is just the cumin. I've just eaten some cumin. It hurts my throat sometimes. Ok, je vais essayer de lui parler. Man, you have to follow me to check if you have corona or not. I don't have coronavirus. On va essayer de désinfecter une salle. Venez avec moi, les médecins. Could you please follow us into the police station? Follow. Yes, we have great pressure. You are very welcome.
C'était vraiment beau la coupe, hein, je l'ai bien aimé. Ah oui, écartez-vous, j'en ai rien à foutre. Où les garer le BMX, où est le parking du BMX? Sortez de là, monsieur. Mais gâche avec ton mélo. Mais il fait quoi, lui? J'en ai rien à foutre, quoi. Voilà. Là, c'est pas un terrain de jeu, ici, là. Tu dégages, mon père. Chale merde, allez, cours. Papi. Merde, putain. C'est... Bon, c'est bon, monsieur l'officier, il était pris, on a pris soin de lui, monsieur. Non, vous énervez pas, monsieur l'officier, tranquille, votre pouls s'augmente. Ouh là là. Ouais, c'est bon. Allez, suivez-moi, monsieur, suivez-moi. Putain, j'ai failli te buter. Vous voulez pas qu'on aille à l'hôpital plutôt? Parce que bon, ici, je sais pas si vous avez tout le matériel adéquat, ok, je vous accompagne, et comme ça, on essaiera de buter. Ok, vous m'ouvrez la voie, monsieur. Follow us. We're not gonna check your IRS. We're not gonna check your immigration status. We're just gonna check your health, alright? Yes, but am I gonna get my papers after that? No, we'll take care of that. Paper après. Papers, déjà, yes. Y'a no, I can pay by Western Union. Qu'est-ce qu'il raconte, Western Union, putain? Dépêchez-t, monsieur, dépêchez-t. Where is the car? Mettez-le dans votre véhicule, I feel like a real Maharaja right now. People are driving me. Stan, I understand. Stay calm and please follow us within the car. I'm very calm. I'm happy. You're taking me in your car. I'm like a Maharaja. And you're my driver. Ouais, ouvrez-lui la porte là. Moi, je reste derrière. Very nice car. Ouvrez la voiture. Pardon, monsieur officier. Attendez, calmez-vous, monsieur. Does it cause you any problem if I take my smartphone and do a review on your car? C'est une urgence là. Il faut absolument qu'on éradique ce virus là. Putain, c'est là. Ouais, je comprends. Faut qu'on s'occupe de lui, monsieur. Mais votre professeur là, Raoul, il est vraiment professeur également? Ouais, bien sûr. Il a fait des études en sociologie, en médecine. Vous pensez vraiment qu'il a un vaccin contre ça? Ah, je suis pas du tout sûr, monsieur. Faut la demander à monsieur Apu après le vaccin, quoi. Il a créé de lui-même dans l'hôpital hier soir. D'accord. Are you gonna try medicine on me? Merci, what the Jonas. Fuck are you doing with me right Merci. Now? Merci. No, Mr. Apu, don't worry. Can we please stop and do a review of your car? It's qui for my YouTube channel, please. No problem, let's do it. Yes. DMG. What type of car is it? A Dodge Charger, 31st. Hello everyone, welcome to a new video of Gutama. We're doing a review on a Dodge Charger today. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? It's a very nice car, very powerful. Là, il est en train de it's faire got, un vlog, monsieur, sur les voitures américaines. 1200 horsepower. Oh putain, il a un syndrome du vlog des Indiens, là. Ils font des YouTube channels. Putain. Oh putain. Mr. Apu, please follow us. I'm living the American dream, you can see. Il est en train de ouvrir une chaîne YouTube, c'est bon à voir, là. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est ça? So please subscribe. Wait, I just finished. Please subscribe and hit the like button if you like to see any more videos of car in America. Yes, I'm ready, sorry. Ok, follow Dr. Raoul and the officer, please. Come here. Viens, ouais, je vous accompagne là, j'essaie de voir un petit peu le dispositif et le protocole. Vous mettez... Oh oui, mettez la main devant la bouche, monsieur Abou. Abou. Put your nose within your arm. Yes, no problem. J'aime bien en anglais, mais en bas. Mettez votre bras, monsieur, s'il vous plaît. Vous avez du gel hydroalcoolé de façon dans vos locaux? Oui, on a tout, monsieur, LS, ici. On le met directement dans ses bonbonnes. What the fuck am I doing here? Ne vous inquiétez pas, monsieur. T'inquiète pas, you good job soon. T'inquiète, gros. It's the zone of the COVID-19 here, ok? We're gonna take care of you. I don't wanna enter in here, it's infected, I'm gonna get ill. Non, expliquez-lui. Non. Vous lui dites, ouais, c'est pour le bien de la. No, cause once I went to swim in the Gange, and I had many problems, I had diarrhea and stuff like that. Pas I don't ici, wanna go, to feel the same thing. You shut the fuck up right now, Mr. Apu. We're gonna take care of you. What the fuck? You no, you're gonna stop speaking and we're gonna take care of you. This place is clean, we cleaned it this morning. Right now, you're gonna enter, we're gonna take care of your health. I'm not ill. Hey, s'il vous plaît, doucement, les gars, doucement, on est à l'hôpital. S'il vous plaît, on se calme, s'il vous plaît, ok? Mettez votre main devant votre bouche déjà, monsieur, parce que vous commencez à me casser les couilles, là. Venez, monsieur. Monsieur Raoul, procédez. Monsieur Raoul, vous avez quelque chose de fiable là pour contrôler ça, éradiquer? Oui, alors là pour l'instant j'ai une piqûre. Mister Raoul, vous avez déjà dit que vous ressemblez à Patrick Sébastien? Non. Ah bah c'est d'accord. Bon, il a des bases en français en fait, ça va. Ah ouais, oui, pour les français, monsieur. Tout petit, okay. Petit. Toi, carte de séjour, pas bien. Ok? D'abord, si, faire carte de séjour, vaccin. Vaccin, éradiqué, et ensuite carte de séjour et papier et autorisation de travail ici, ça vous va?
Ok, this is very good for me. Ouais, je crois toi retourne dans ton pays, toi. Ça ira mieux, je pense, parce What? Que bon. What? Non, ouais, please, ouais. please, je suis recherché dans mon non, pays. Non, ouais, retour pays si tu pas vaccin, ok. Donc écoute, voilà. Raoul, professeur, very importante. Ok, l'échelle de Patrick Sébastien. Tu retournes ton pays, ok. Parce que bon, les gens comme toi qui viennent contaminer tout le monde, ouais, j'en ai plein le cul. Hein. Commencez le protocole, allongez-le okay. Et je regarde. Mais montez sur le truc là. Montez sur la table d'examination, monsieur Apu Benjabou. Penjabi, Penjabi. Allongez-vous, monsieur. Apu, Vijay Kulasingam. Goutam, Penjabi. Allez, allongez-vous, monsieur, sur la table d'opération, s'il vous plaît, monsieur. No problem. Je vais préparer le produit. Ouais, je crois qu'il comprend mieux l'anglais, hein, n'hésitez pas. Hein. We're gonna first touch your pelvis and your penis. What the fuck? Why do you wanna touch my dick? Don't touch my penny penny. No, sir, no, sir. You, what the fuck you wanna touch my penny penny for what? Calm down. Ok, on lui injecte un peu d'endorphine, s'il te plaît, professeur, pour le calmer déjà. Allongez-vous, ouais, please. What the fuck? Very good, I feel very weird now. Ok. Ok, je suis en train de faire le truc. Un petit peu de chloroquine. Very good, Mr. Apu. How are you feeling? I feel very weird. I feel no, Mr. Apu, the weather is beautiful. We're gonna take care of your health first, and then your papers. Sometimes when I was breathing, you know, products like glue and stuff like that. Des fois, quand je renifle du corcobi, et what happened after? Début d'opération. My head feel all dizzy, I feel all fizzy, and I'm feeling like that right now. Do you sniff poppers, mister? Poppers? No, poppers is for gay people, I'm not gay. No, sir. I don't no, take sir. Any shish kebab in my ass. Professeur Raoul, on en est où? Allez, ouais, c'est bon, là, le c'est prêt. Le patient s'est calmé, son pouls okay. est calme. D'accord, séquence standard, s'il vous plaît. D'accord, merci. Bon, je vais vous mettre une petite dose de chloroquine, donc 0,25 mg. Est-ce que vous pouvez demander si vous avez des problèmes cardiaques? La chloroquine, c'est par voie orale, c'est quoi, ou par voie anurale? Alors c'est là, c'est par voie anurale, là. Là, en fait, on va le tourner. Vous allez m'aider, monsieur. Calm down. Vous allez m'aider, monsieur Karim, je pense. A Sputnik into my ass. Exactly. What you're gonna do? Exactly. Yes, in your ass. Bien profond. Are you American people? Retournez-le, s'il vous plaît. Tournez-vous, s'il vous plaît. Ouais, return you, mister. Like, you know, chapati. When you. Upside down, mister. Oh, yes, when upside you. Okay, down. Like a chapati. I understand. Like that? Voilà, nickel, monsieur. Ouais, yes, good job, mister Apu. Good job. You're very, very. Bon, vous m'en What the fuck is the size of that thing? Non, ne vous inquiétez pas, monsieur. C'est. Ouais. Boy, stay low. Bon, endormez-moi lui, là. Endormez-moi lui, parce que. Bon. C'est bon? So we're gonna now make you breathe within this. There we go. J'endors plus la partie, il peut continuer à parler, j'endors juste la partie. Allez, d'accord, ciao, je commence à enlever le pantalon, d'accord, voilà. J'enlève le pantalon, écarte-moi les... Commence à écarter, s'il te plaît. What am I doing here? Insérez votre doigt et posez la gélule dans What? Son anus jusqu'au pelvis. This kind d'accord, of feel good. Je suis en train de rentrer. What the fuck? Oh. Non, ça rentre pas, attendez. Non, faut que ça arrive jusqu'à l'œsophage, monsieur, faut aller un peu plus fort. Hein. Yes. Écartez plus, ça rentre pas, ça rentre pas. Go stronger, I'm not your mom, you can go stronger. Voilà, go il est en train de vous dire, touchez le fond, je ne suis pas votre mère. Exactly. Tape dans d'accord. le fond, je ne suis pas ta mère, monsieur. Il est en train de vous dire. Voilà. Yes. Voilà, yes. ça rentre mieux, ça rentre. Yes. C'est bon. Very nickel, good. Les gars. Veuillez ne pas manger dans la salle de chirurgie, s'il oh, vous plaît, je sais l'officier. Pour des raisons hygiéniques. Ouais, c'est... Oui, hygiénique. Et lavez-vous les mains juste en face après. Bon, monsieur Apu. J'ai niqué mon ramadan. Bon, c'est pas grave. La chloroquine a été pénétrée. Oh, yes. Penetrated by chloroquine. Mr. Apu, how are you feeling? How are you feeling today? How are you feeling today now? I feel happy now. I feel very good. I feel like my asshole is all wet. It's normal, Mr. Apu. Something happened into your asshole. We're not gonna tell you what. You're gonna stand up for me? I'm not gonna say that it's bad. I kind of like turn. No, don't turn yourself. Don't turn yourself. Just stand up for me. You want me to stand up now? Yes, stand up. And put your back to the wall. Monsieur l'officier, comme vous avez l'habitude de traiter des gens drogués, vous allez passer des tests oculaires, s'il vous plaît. Ouais, d'accord. Get up, stand up, hein. Ouais. Attendez, j'ai Donald Trump qui m'appelle au téléphone. Attendez. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. What the fuck, I can't feel my legs. I can't stand oui, up anymore. C'est monsieur Raoult, oui. Yes, you vous, can. Just vous les connaissez, la Javel, monsieur? D'accord, pas de problème. Ok. Oui, monsieur. Ok, have a good day, no problem. Ok, les gars, médecin là, il faut qu'on essaye la Javel, c'est l'ordre du docteur Trump là. Pas de soucis, monsieur, mais il faut faire vite sur monsieur Apu, il est en train de devenir fou, hein. Ouais, de toute façon, monsieur le policier, on l'agrafe au truc là, ok. On l'agrafe tout de suite. Faut plus qu'il s'en aille, c'est un cobaye maintenant.
Oui, mais le télé, on passe en opération, opération Delta Charlie là. What the fuck? What the fuck are you doing? I don't know what happened, Mr. Ouais, qu'est-ce que vous faites, monsieur? I can't stand up, I can't feel my legs anymore. What the fuck? Bon. Am I being arrested? You're taking me back to Punjab? Oui, la chloroquine, c'est normal comme ça. Sir, what is happening to you? We're gonna try some Clorox on your skin to see what happens. What the fuck? Qu'est-ce qui lui arrive? Okay. I knew it, you were gonna try something on the Porinian guy. No, sir, not at all, sir, please keep your calm. Mais c'est quoi cette extension de verge là? Vous avez fait quoi là? Vous allez lui faire quoi là? C'est important ça? Je sais pas du tout ce qui se passe, monsieur, je sais pas du tout ce qui se passe. Ouais, là c'est Donald Trump là, parce please que... don't touch my penny, écoutez, please. Écoutez, Donald Trump il m'a appelé là parce que bon, il a dit qu'on pouvait essayer de mettre de la javel pour tuer le virus parce qu'apparemment en une minute le virus il s'en va. Donc là je vais essayer avec un petit peu de microbe de toilette là. Bon, ça m'a voilà. Pas l'air très très propre. Voilà, prenez un je vais peu appeler le restant... la femme de ménage. Prenez ménage, le, ouais. le restant d'œsophage qu'il y a sur mon code ceinture. Mon aussi. Oui, apporte-moi un linge propre, s'il te plaît. Allez vite, monsieur Raoult. Hein. Ah, monsieur l'officier, c'est ça devient compliqué de nos jours. Hein, ça, comme, sortir, comme je pense vraiment. If you, if you Ganesh, take me out of this, please. They're going to kill me. They're trying to put many products into myself. No, Mr. Apu, everything's gonna be alright. We just need Mr. Raoul to accelerate. No, the guy, the Patrick Sébastien is very ugly. I don't trust him. No, c'est look at him. Professeur Raoul, monsieur. Deuxième you look like Patrick Sébastien. You, I don't trust you. Commence pas à paniquer, gros. Tranquille, ils vont bien s'occuper de toi. I promise. I promise. Permis of travailler and kima et tout. Hein, chicken tandoori. You can do that. Yeah, but okay? He's gonna kill me with his products. Look, the products he's touching right now. This is to kill the rats. This is not to heal people. Bah, pour l'instant, ouais, oh, effectivement, sir. On va devoir tout remettre en place parce que là, je vois que vos jambes. Ah ouais, d'accord. Ok. Don't forget, everything is gonna be good and alright. Ok. Did you understand that, like Mr. Apu? Did you understand what Patrick Sebastian said? Yes, I understand, but I don't trust him. Please don't tell him, don't look me into the eyes. He is a professional. He's been studying 16 years, this medicine. Well, he's been studying on the rats. He's not been studying on Indian people and he's trying to make something of me. He doesn't study onion people. He studies human. Bon, prenez des photos, monsieur le policier, parce que je pense que là, c'est la première fois que you're ça arrive. You're not gonna take pictures of me naked with my penny out. Ouais, prenez des photos, monsieur le policier. Vous, monsieur le médecin, vous allez oui, m'ouvrir sa bouche, comment d'accord photo. Très bien. Vous allez lui mettre un truc comme les dentistes qui mettent là, un petit compas, on appelle ça. Voilà. Mr. Raoul, open the mouth. I'm oui. Gonna open your mouth, and... Il mange de l'oignon. Cas numéro 1, cas test témoin numéro 1 pour le cas coronavirus. Voilà. Why nickel, did I come in this professeur Holt. Voilà, nous allons commencer l'opération. Je suis prêt à l'abattre si, par exemple, s'il y a aucune... s'il infecte, hein, les gars. Vous me dites si c'est positif. Ok, nickel. Ah, allez, ouvre-lui la bouche, c'est bon. Ne lui dis pas la verre. Non, je veux pas la bouche. Ouvre la bouche, de Javel. Open your fucking mouth, Mr. Apu. I thought you were my open friend, you motherfucking bastard. Open your fucking mouth. Insérez, monsieur. Ok, ok, je rentre. Avale, salope. Avale, chérie. You motherfucking bitch. Good job, Mr. Apu. You son of a bitch. Good job, my friend. Calm down. Mettez-lui une dose de morphine et d'endorphine, monsieur. S'il est infecté, il n'y a plus rien à faire, les gars. If I get out of here, I'm gonna do some indie combat on you, Patrick Sébastien. I'm gonna find you in the dark street and I'm gonna rape you. I swear I'm gonna rape you. Hey, excuse me, you are in quarantaine. If you don't that march, I kill you, ok? C'est bon, il a compris, là. Do you understand what this guy is saying to you? Yeah, do you understand? Yeah, he told me if I get out of here, he's going to kill me. He's gonna kill you. If the vaccine doesn't work, I am obliged, okay? I'm sorry. Huh? No, please don't do that. Please, I'm not coronavirus. Hey. Yeah, the French president says we are en guerre. You don't even know if I've got coronavirus. No yes, one you did do. Any yes, test yes. on this. Yes, you do. You come from the east. You are corona. You are piece of corona. I'm gonna spit on you all. I'm gonna spit on you all to give you corona, you bastards. Oh, putain. You will die like that. You will die with me, you bastards. You motherfucking bitch. C'est bon, vous avez des analyses là? Ouais, on a pris les analyses. Ouais, on a pris un peu de morphine, il devrait se calmer. Ouais, morphine, c'est bon. Je vais vite transpondre ça sur la base de données, je rien. Voilà, il est attaché le après. Merci, c'est par ici. D'accord, monsieur Raoul, c'est par ici. I'm not a fucking laboratory rat. Ouais, j'allais voir les analyses, les résultats. Pas de soucis, monsieur. Ouais, les résultats seront... Écoutez-moi, si, venez. S'il est positif, je serai obligé de l'abattre. Hein.
Ouais, on va. Attends, je suis en train de regarder. Parce que là, je suis en train d'inspecter. Vous avez pas un bureau là pour les. Il est où votre laboratoire là? Alors, le laboratoire, il est ici. Donc là, c'est mon laboratoire, c'est tout neuf. Mais c'est une marque. Ah, vous comptez le. Oh mon dieu. Bon, monsieur, ouais, je vous cache pas. Bon, là, on est entre vous et moi. En fait, il n'y a pas de laboratoire. En fait, tout le monde va crever en fait. Mais seuls les personnes comme moi, professeur Raoul, vous, les policiers, les médecins, on va tous survivre en fait. Mais la population, ils vont tous crever, monsieur. Oh putain, je vais devoir faire le sale boulot, ça veut dire qu'il n'y a aucune solution? Exactement, monsieur. En fait, voilà, on teste de la javel, mais bon. En fait, on fait un petit peu tout ce qu'il faut, mais bon, il n'y a rien à faire, quoi. On connaît pas ce que c'est, on connaît rien du tout, quoi. Le pangolin, vous avez buté, pas les gars, pangolin, non le dinosaure, on sait pas ce que c'est, non, on sait pas. On oh comprend merde, pas. Putain. Donc là, malheureusement, quoi. Je vais faire semblant de regarder ce qui se passe, mais bon, je sais très bien que... Attendez, bon, il faut vous faire une diversion quoi. Pendant que je fais ça par derrière, histoire qu'il voit pas. Voilà, je vais me cacher ici, là. Je vais me cacher, je vais faire comme si, voilà. Voilà, alors, je suis en train de regarder... Ouais, vas-y, voilà. Vas-y, je... Ok. J'espère qu'il me voit pas, hein. Ouais, je suis en train d'inspecter la cellule souche, effectivement. Ou au pire, je sais pas ce qu'on dit, on lui annonce que c'est bon, il l'a pas, et comme ça, il aura, comment dire, une petite joie avant de mourir. Ah, vous avez... Une petite érection. Là. Il se passe quoi là au niveau de la vierge là? Vous avez l'air heureux, on dirait. Vous avez trouvé le vaccin? Je sais pas ce que c'est ça. Ah, ouais, ça commence à être gênant. Bon, attendez. Oula. No, that doesn't make you gay, Mr. Earl. That makes you an experiment. Je suis obligé de le buter, les gars. De toute façon, vous en faites pas. I don't wanna be gay. You know, people... You're not gay, Mr. Earl. You're not gay. If in my hometown they find... They think I'm gay, I'm gonna get killed, you know. We don't like gay people. I understand. But you're not gay, Mr. Earl. We just inserted something within you for an experiment. Patrick Sébastien's back. I don't trust him. Please, he's a singer. He's not a medicine. Calm down. He's calmer. Il est plus calme, Monsieur Raoul. Il est plus calme. Ok, attends, je vais lui enlever les menottes alors. Ouais, c'est bon. Alors, c'est bon, c'est bien négatif. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Oh merde. Oh non, Shaitan! Shaitan nous brûle! Shaitan nous brûle! Ouais, les modeurs sont c'est un dommage.